Salut! Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour montrer un petit peu comment on peut reproduire rapidement un arbre à l'identique. En l'occurrence, là, moi j'ai un vieux pommier ici que j'ai envie de garder parce qu'il donne de très bonnes pommes. Donc on va utiliser la méthode du marcottage aérien. Je vous explique un petit peu comment on peut faire. Alors, très rapidement, le matériel qu'on a besoin. Donc, on a besoin. Un bout de fil électrique, un cutter nettoyé, un pot qu'on a coupé en deux et on a fait un trou à l'intérieur pour passer la branche, de la terre et de l'eau. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc l'idéal c'est ça, voilà, c'est une branche qui est droite. Comme ça on peut prendre appui ici pour le pot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'écorce au cutter sur un, deux, voire trois yeux. Voilà. Après, hop. Voilà, on passe le pot dedans. D'accord. On remplit de terre. On met le fil électrique autour, bien sûr. On arrose et voilà. Et là, vous faites ça au printemps. Et après, vous allez couper sous le pot à la descente de sève, donc novembre. Voilà. Et normalement, vous avez un nouveau pommier tranquille ou un nouvel arbre. Voilà. Donc ça marche très très bien. Vous voyez, là, j'ai déjà fait là-bas. Après, j'ai utilisé une autre technique ici. En marcottage toujours aérien, c'est juste j'ai fait des boules de terre toujours sur la même technique, mais des boules de terre avec un sac plastique et enrobé avec du scotch étanche. Voilà, pareil. Donc voilà, là je fais ça avec mon pommier, je fais ça avec mon figuier. Et ben j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.